Bonjour à tous et bienvenue sur la Team Saki. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pokémon Écarlate. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, ça me plaît toujours. On va essayer d'aller faire le quatrième badge. En tout cas, on est parti pour. Et c'est bientôt Noël. Vous avez pu voir derrière moi, juste là, le petit bonnet de Noël. Bientôt vous nous verrez avec le bonnet de Noël pour faire des vidéos. Et oui, en tout cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement si c'est pas déjà fait, et puis le partage si ça vous fait plaisir. En tout cas, c'est parti. Allez, on est parti pour aller faire les Pokémon et leur mystère. Je sais plus où je suis rendu. Il va y avoir une arène. Ah, c'est ici. Du coup, l'équipe, ça donne quoi? Tout le monde est présent, tout le monde est prêt. Ah, belle équipe, elle est belle hein, quand même. Hop, let's go. Le quatrième badge. Bonjour à tous. Oh, bonjour monsieur. Bien donc, ne serait-ce pas Thierry? Non, c'est pas moi. J'ai l'impression que votre tour des arènes se déroule un peu mieux. Attends, c'est de toi dont tout le monde parle? C'est qui ça? C'est qui ce mec? Mais si, c'est toi. Pareil que t'es un boss en combat, c'est vrai? Parfaitement. Ah ah ah, t'as de la répartie. Je vous présente Saiyan. Ah, c'est un super Saiyan avec sa coupe de cheveux, je me disais aussi. Yop, et moi à ton service. Ok, ouais, je suis plutôt canon, mais t'inquiète, je mords pas. Cayenne a beaucoup. Cayenne ou Saiyan? Cayenne. Cayenne, normalement, la logique, c'est français, c'est Cayenne. A beaucoup d'humour, mais elle est aussi membre du Conseil des 4. C'est une fille! Comme moi. Ok. Mais je blaguais pas. Enfin, bref. T'as plutôt la futé à première vue. Naturellement, il compte parmi les élèves les plus éminents de l'académie. Ah ah ah, c'était, ça se voit. Mais tu vas voir, quand tu auras dépassé la quatrième arène, tu vas moins rigoler. Effectivement, la grande majorité des dresseurs et des dresseuses renoncent à mi-parcours. Mais toi, t'es pas comme les autres, hein? Tu vas en faire qu'une bouchée de ces arènes. En tout cas, t'as intérêt si tu veux qu'on se revoie. Pour ton examen de maîtrise. Je vous souhaite bonne chance. Ok. Ok. Alors, bienvenue à l'arène Quencia. Quencia, ok. Veuillez patienter pendant que j'inscris votre nom dans le registre. Terry, c'est bien ça? Vous voilà inscrit. Ok. Afin d'affronter Colza, notre champion, vous devez d'abord passer l'examen de l'arène. Pour ce faire, il vous faudra participer à la cueillette des Eliatrons. C'est là. Bonjour la team. Hey. Alors, bonjour madame. Bonjour, je suis la préposée aux Eliatrons de l'arène, c'est pour ça qu'on me surnomme la fille aux Eliatrons. Alors, c'est vous le candidat, êtes-vous prêt à rassembler les Eliatrons? En ce cas, je vais leur demander d'aller se cacher en ville de suite. Eliatrons, je crois qu'ils sont prêts. Alors que l'examen commence. Quand vous aurez trouvé 10 Eliatrons accompagnés d'ici, Eliatrons, eh bien, qu'attendez-vous? Allez-y, bonne cueillette. Ok. Aux Eliatrons. Bon, ça a l'air un peu éclaté. Ça se met quoi? Alors, tu ramasses si tu veux. Monsieur. Ah, un Eliatron 1, il va désormais vous accompagner. Il me suit, cool. Ils sont où Bon, la carte. Non, c'est pas là. Non. Ah ouais, d'accord, je peux pas régler ma carte. Ah ok, bon, j'en ai trouvé un deuxième, tiens. Hop. Bon, c'est facile, hein. Bon, bah, capturer les Eliatrons, madame. Bon, c'est marrant comme truc, quand même. Capturer des Pokémon. Ah, il y a une petite bande au-dessus, j'avais pas vu. Hop, monsieur. Hop, un quatrième. Enfin, une armée d'Eliatrons. Je vais pouvoir conquérir le monde, après. Ah, il y en a un qui est ici tout seul, là. Il s'est pris pour une fleur. 5. Il y en a ici. Il est ici! Il est ici, enculé! Il veut qu'on se batte. Mon gars, c'est pas une chose, mon gars.
Alors, tu es malin. Hein. Ok, il me suit. Allez, moi, c'est à moi. J'ai une armée. Ah oh, oui! Il y en a... Ah, il y en a un qui traîne là-bas. Bon. On va le niquer. Hop. 7. Bon, ils vont pas être loin. Monter un peu. Fait. Tiens, là. Un peu relou. Ok, 8. Ah, le son est stylé quand même. 8. Ah, c'est un fou lui. 8. Il y a une Pokéball qui traîne. Il y en a là-bas. Ok, je trouve les deux derniers. Vite. 9. Le dernier est juste là. Et ce sera fini. Et 10. Allez. Il y a moi cette armée. Bah. Ah, ils sont là. Il y a moi tout ça. C'est énorme. J'ai abusé. Comment va-t-il? Oh, c'est marrant. C'est ludique. C'est ludique. Ça donne un peu plus de peps. Hop là. Mais quoi, déjà? Écoute. Examen d'arène, trouver des éliatrons. Vous avez réussi! Oui! Merci d'avoir trouvé tous les éliatrons. Vous avez réussi votre examen, bravo. Je vais vous laisser aller faire votre rapport à la réception de l'arène de Quentia. Ok! Bon, bah c'est good. Hop là. On va aller voir l'arène. Bon, ça va, ça déroule bien. Qui veut lui? Voilà. Ils sont en train de discuter, mais on sait pas pourquoi. Ok, bonjour madame. Vous avez réussi à conduire 10 aliatrons jusqu'à la place. Félicitations, vous avez réussi l'examen, haute la main. Vous pouvez désormais affronter champion de la reine. Ok. Bah ouais. Pas qui c'est, mais... Vas-y, chaud. Très bien, laissez-moi vous accompagner jusqu'au terrain de combat. Ok. On va aller voir, enfin. Pokémon Herbe. Herbolino. Salutations, Challenger. Oh, stylé. Hop. Je te félicite d'être arrivé jusqu'ici. Je m'appelle Colza. Comme l'huile de colza. Je suis un artiste spécialiste des Pokémon plantes. Et j'office également comme champion de l'arène de Quentia. J'ai observé le déroulement de ton examen depuis le sommet de ce moulin. Tu as fait preuve de beaucoup de finesse dans l'accueil des éliatrons. Mytho, je suis qu'il a même pas regardé. Quel esprit avant-gardiste. Oh, il est bizarre, il fait peur. J'ose espérer que cet œil aiguisé se manifestera également dans notre combat. Car vois-tu, il est l'heure pour nous de créer une œuvre d'art collaborative. Ok. C'est parti. J'espère que tu es paré, commençons notre création. Colza, le champion de la reine, veut se battre. Let's go. Un Chlorobule. Ok.
L'art est destruction, mais aussi création. Lutte, tu ne veux pas me servir de pâture. Merde, je crois. Eh bah, du coup, j'ai la preuve que j'avais fait cette arène-là un petit peu trop tard. Hein. Du coup, je vais niquer tous ces Pokémon en 2 secondes 10. Ashley, t'avais raison, je me suis trompé d'arène au début. C'était trop facile, ils sont niveau 16, ces Pokémon. Hein. Du coup, je m'ennuie, quoi. C'est quoi ça? Tiens, hop, on va rien faire, juste ça. Hop. Je vais faire sa terre à cristallisation et ça va servir à rien. Ah, chérie, regarde. En vrai, regarde, c'est trop facile. Rien. C'est un talent indéniable. Ce combat est déjà un chef-d'œuvre. Menons-le à bien. Simule l'arbre. J'ai le niveau. Ben oui. Tiens. Je vais même pas le terra cristalliser, mon Pokémon. Ça sert à rien. Trop facile. Le simulaire, il est éclaté, mon gars. Il y a une plante. Bah, c'est un one shot, mon ref. Je suis désolé, hein. C'est ma faute. Il m'a géré. Hop là. Oh, il doit être un peu PV. Il est resté. L'art n'attend pas. Alors, accélérons la cadence. Vas-y. Désert baf. Il va rien m'enlever. Haché. Il m'a attaqué qu'une fois et il m'a enlevé 5 PV. Hop, c'est fini. Fin d'histoire. Au revoir, Simularbre. Tiens, je suis désolé d'avoir gâché le combat. C'est moi qui suis... J'ai mal géré, quoi. Ok, bon bah du coup, j'ai gagné aucun niveau. En même temps, tu es tombé contre un mec abusé, quoi. Et l'avant-gardisme. Bah, merci pour les sous. Bref. C'est ma faute. Waouh, quelle créativité dans ta stratégie. Mais j'ai rien fait. Personnellement, tu as perfectionné avec finesse la technique. Je n'ai pas peur de le dire, ce combat était purement et simplement de l'art. En ce qui me concerne, je dirais que tu t'es brillamment illustré lors de cette épreuve. Voici la preuve de ton triomphe, le badge de mon arène. Prenons également une photo. Ok. Arène de Quencia, terminée, la voie du maître. Oui, avec 4 badges d'arène, tu peux capturer plus aisément les Pokémon de niveau 40 ou moins. Et tous t'obéiront. Oh oui, merci, enfin. Je me fais aussi une joie d'offrir ma cité favorite à un virtuose du combat tel que toi. Désert baf. Ok. Ah, l'inspiration m'est venue et me quitte plus. Je l'aperçois de toutes parts. Je dois m'atteler à la prochaine œuvre. Donc si tu veux bien m'excuser, adieu. Adieu, amigo. Bon, bah du coup, ça c'est fait, les gars. Quatrième badge en poche. Bon, forcément, pas dans l'ordre, mais... Ah, alors quelqu'un qui vient de téléphoner. Moudidi, moudidi. Ah... Hey Terry! Salut meuf! Tu viens de finir l'arène? Bravo, c'est vraiment génial! Ça te fait 4 badges d'arène! T'as déjà fait la moitié du chemin, félicitations, c'est fou, t'arrêtes pas de progresser! Ça me donne envie de me faire un combat tout de suite maintenant! Mais en fait, c'est pas trop le moment là! En gros, je choisis l'équipe de Pokémon que je suis sûr! Moi spécifiquement pour cette arène, et je préfère t'affronter dans les meilleures conditions, alors notre combat devra attendre! Pff, ça tombe vraiment mal! Désolé Terry! J'espère que tu m'en veux pas! Bah écoute, non! Bah les couilles. Bon, je vais faire quoi maintenant? Hop là. Du coup, je suis où? Je suis là. Là, il y a quoi? Badge de dominant roche. Super beau. Ah, Terry. Monsieur Clavel? Au risque de me répéter, moi c'est Clove, ton vieux pote, t'as juste un souvenir. Terry, avant tout, je dois te dire merci. Car c'est grâce à toi que j'ai accepté au sein de l'opération Stardust. Pourquoi avoir rejoint l'opération? Je veux comprendre ce qui se passe avec la Team Star et pourquoi ses membres agissent ainsi. C'est-à-dire? Des rumeurs courent sur eux. On dit qu'ils harcèlent les élèves et ils auraient poussé un grand nombre à quitter l'école. Il paraît aussi qu'ils montent un plan pour prendre d'assaut l'académie depuis leur repère. Pouah, c'est des méchants les gars. Mais ce sont que des rumeurs. Il y a plus préoccupant. Les membres de cette Team Star sèchent l'école depuis bien trop longtemps. En particulier les 5 élèves qu'ils appellent boss. Ça fait plus d'un an qu'ils n'ont pas mis les pieds à l'école. En outre, leurs sbires ont récemment commencé à commettre des actes de délinquance.
Vous comprenez que je trouve cela inadmissible. C'est pourquoi je leur ai lancé un ultimatum. Je leur ai sommé de dissoudre l'organisation, sans quoi je renverrai tous les élèves qui leur sont affiliés. Mais ils ont ignoré ma demande et l'échéance de mon ultimatum approche à grands pas. C'est à ce moment-là que j'ai entendu votre conversation avec Cassiopée. Moti Moti, Motiti Motiti. C'est Cassiopée, tu m'entends Thierry? Arc, murmure, reprenons cette discussion plus tard. Murmure, faites attention à vous. Ok. Ok. L'un des repères n'est pas loin, mais tu parlais à quelqu'un? Je parlais tout seul. Tu as vaincu un membre important de la Team Star. Les autres boss sont sur leur garde. Attends-toi à plus de résistance dans les prochains repères. Je te rends contact plus tard. Attention à toi. Ok. Let's go. C'est parti. Le groupe Shedar.